Et salut tout le monde, c'est MarieV244. Bonjour tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour la fausse fin de ce Watté. La fausse fin. Château de Peach. Enfin, du moins le boss final. Donc le combat final. Voilà, et on est parti. On va pas perdre de temps parce qu'on a les crédits, on a plein de trucs après à vous montrer et tout. Donc bon, Audio City, ok, tout ça c'est bon. Le combat final. Donc. Alors en fait, durant ce niveau, il y aura pas de sang. Ça me fait penser à Paper Bros 2. Bah tu sais avec les bonhommes là qu'il fallait se cacher derrière ouais, des pierres. C'est pas mal le château de France, faut l'appeler. Ok, donc là faut quand même faire attention. J'ai déjà perdu ma transformation. Ok, pour l'instant ça va, on gère. Ok, hop, je saute pas dessus. Vous pouvez rien lui faire, hein, ça sert à rien même de l'entraîner dans la lave et tout, ça lui fait rien. Et il y en a après moi. Et même le boss final il est immortel. Ah merde. Allez viens là toi. Ok. C'est bon ça. Ok bon ça va pour l'instant je. Oui il peut aller dans la lave, ça lui fait rien. Par contre non si. Sacha a testé pour vous. Testé pour vous en première. J'aimerais bien la voir. Oh non! J'aimerais bien la voir. Oh non! Ah, oui. Enfin, oui, pour moi. Je suis triste. Sift, sift, pleure, pleure. Et voilà, déjà rendu. Donc voilà, le parcours il est plutôt simple, j'ai envie de dire. Par rapport à Bruce, oui, il aussi, il est con. Oh, oh putain. T'es mini ou pas? Non, je suis con. C'est la même porte que Bruce, oui, non? Oui. Y'a rien? Ah oui, si. Allez, vas-y, prends, je t'en prie. Honneur à toute bleue. Oh, je m'en rappelais plus, tiens. Bah, quand même, les boss finales, ils sont obligés. Oh, je m'en rappelais plus. Oh, tu pouvais pas le faire avant. Tu t'en rappelais, toi, ou pas? Non, je me disais, attends, peut-être boss finales sont sympas. Ils te donnent deux trucs. Bon, bah, c'est pas grave, tout à l'heure... En fait, je me suis souvenu parce que... Enfin, si on crève, j'aime bien... Dans le speedrun du jeu, Non, c'était pas un speedrun, je sais plus trop c'était quoi, le gars, il tape... Oh, putain, c'est ça dit... Ah, ça, j'aime pas, c'est à moitié un bug, là, quand il leur renvoie. Alors, il y a plusieurs façons de tuer. Soit vous cramez. Vas-y, crame-le, ça va le plus vite. C'est tout. Mais cramer, c'est pour tout. Oui, bah j'essaie d'esquiver, mais. Oh, mais non! Bug! 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 Oh là là, le sadique! Mais. Oh! Oh! Allez, allez, il m'a poussé par là! Yeah, man! T'es crevé! Et voilà, bah c'est bon, il est mort. Alors, ça c'est fait. Déjà, la fin de ce Watté, ça a été plutôt vite, hein. Ouais. Non, mais je suis sûr que personne nous croit, quoi. C'est pas marrant, quoi. À l'époque, dans Bros. Tu te rappelles dans Bros. Oui, qu'on avait vu que c'était pas Kamek, quoi. Enfin, que c'était pas la princesse Peach, on était. Mais je sais pas la princesse Peach. Que je passe t-il ? Non ! Non, sérieux, ouais, on avait pleuré. On avait pleuré ensemble. Et là donc Bowser Jr. va aider Kamek à envoyer son pouvoir. Et là que je sais pas si ça tremble dans les Wiimote, Sacha. Oh ça tremble. Oh punaise, carrément je lâche la Wiimote tellement que non, ça tremble. Ça tremblait pas. D'accord. Pas gâché mon plaisir. Donc là un joli background. Ok. Allez viens Sacha, viens avec moi. On va aller sauver la princesse Peach qui est dans le background. Mario. Non pas Mario. Et bah voilà, c'était sûr qu'elle allait dire ça, hein. Ah là 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 là, la petite. Oula! Oh bah, carrément quoi, elle a même pas le droit de nous voir, tu sais. Carrément, ouais, elle a pas le droit de nous voir, elle se transforme en... Elle a pas le droit de respirer, elle a... Alors, l'énorme trou noir, on sait pas
La Bowser. Mais Bowser Junior, il met son logo partout, quoi. Il pourra laisser un peu, je sais pas, c'est Bowser quand même qui l'a kidnappé, c'est pas Bowser. J'adore Bowser, immense. Oh yes. Un champion. Il est vraiment stylé. Ah vite. Non, j'en ai ici. Oh non, en plus il se barre par là-bas, je voulais au moins que tu le prennes. Alors comment faut-il pour l'avoir? Sacha va vous le montrer en attendant parce que moi je suis un peu dead. Vous allez aussi vous attendre et vous secouer. Et là la Bowser qui fait du... Non, j'hallucine. Oh non, Sacha! Je l'avais pas vu. Ah, non, là j'ai gueulé, c'est vraiment plus fort que moi, je m'attendais, je suis désolé. Tac, on va prendre ça. On va essayer de pas perdre. Ouais. Oh non. Bien entendu, vous êtes plus obligé de voir les cinématiques. Oh là là. Espèce de grosse... Non, je rigole. C'est pas grave. Attends, par contre, on essaye de pas le perdre, ça, surtout moi, parce que moi, je me... En fait, la difficulté de la deuxième partie du boss final, lui donner des coups, y a pas de problème. Ses attaques, y'a pas de problème. C'est la carapace, c'est ça. Non, même pas, c'est Bowser Junior. Mais il est chiant, lui, regarde, c'est lui qui nous a tué, hein, et qui m'a tué moi. Il m'a tué moi. Surtout, je trouve que ce que c'est dur, c'est oui, la bah, leur carapace. C'est la grosse carapace, là, Bowser. Non, mais c'est... Oh, il m'a pas touché. Oh, il m'a pas touché. Ah, je... Alors là, en fait, pour passer par-dessus Bowser, c'est facile quand vous avez plein. En fait, ça regarde. Vous voulez. Waouh. Ça change de d'habitude. Mais Tone, que fais-tu? Oh là là. Et je crois que tu peux crever si tu restes sur le... Regarde, je vais juste partir, moi. Je vais me barrer. On peut pas passer. J'appuie hyper fort. Pour vous prouver que j'appuie, regardez, je colle mon truc au micro. Bon, là, on n'a plus le truc de Kameg. Ouais, voilà. Là, on est plus armé que la dernière fois. J'aime bien parce que Bowser quand il crève il a pas le droit, il a pas de vie lui, mais nous on a plein de vie, on peut le tuer pendant jusqu'à 80... Nous on a 99 essais maximum. Et encore après... Et encore il a des crédits et tout, voilà. Ok, bon alors... Je trouve Prince quand même plus dur. Bon après ça porte malheur de dire ça, surtout quand on a roté, mais bon. Et bon, que voulez-vous? Alors, c'est... Oui, il faut habiller en rafale et dès qu'on est au-dessus... Oh oui, Tchika! Oh! Il m'a tué pendant la cinématique! Oh le sadique! Oh que c'est moche ça! Ça c'est moche! Là il est obligé de se lever logiquement, voilà, comme ça. Il m'a tué pendant la cinématique, le petit connard! Je m'énerve! Mais oui, c'est ça qui m'a fait tout à l'heure, hein, à moitié, hein! À peine la cinématique était terminée, il m'a tué, j'ai même pas eu le temps de. Là, Bowser, si j'ai bon souvenir, il crache un peu. Ouh! Enfin, je sais pas, se faire toucher dans la cinématique. Alors, là vous esquivez. Excuse. C'est mon travail, excuse. Et là, la voilà, il va lancer des... Voilà, je me rappelle de ça. Bon, pas grave, du moment que je saute sur lui... Oh non, ça c'est chiant, bien sûr. Pardon. Oh, c'est moche. Fais gaffe à ce carapace sur l'autre. C'était mort. Du coup, il reprend... Et là, on est dans la merde. Eh ouais, mais ça... Mais non, il peut pas... Non, il va se coller à nous comme ça. Sacha, tu peux me laisser la voir, s'il te plaît, Bowser? C'est bon, t'as réussi à esquiver, je reviens. Je reviens, t'en fais pas, Sacha. Hop, voilà. Bon, ça va, on est gros quand même. C'est un peu chiant. J'y vais. Oui, vas-y, fais pas de la merde, c'est tout ce que je te dis. Bien centré sur lui. Mais t'inquiète pas. Ok, deuxième coup, plus qu'un coup. Là, il fallait sur le côté. C'est surtout moi qui avais peur en fait. Il est sur le côté. Regardez, il fait quoi? Il est. Vous êtes plus rapide qu'un carapace. Ouais! Allez, un dernier! Ouais! Ah, il est pas là pendant un carapace, pas il est mort. Hein. C'est pareil. Ok, on a 10 minutes de vidéo là pratiquement. Parce que... Alors là, il crache en rafale en l'air. Oui. Je peux lui donner le coup final, s'il te plaît. On verra. Oui, non, mais si on est tous les deux côte à côte, laisse-moi le faire, s'il te plaît. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, j'avoue, c'est mon mari. Attention, le voilà. Allez, vas-y. Fais-toi plaisir. Allez, vas-y, tu... Là, il y a moyen. Traîneur. Et il est mort. Et donc, nous avons fini New Super Mario Bros. Et là, voilà. On va avoir le droit à une belle cinématique. Mais tu filmes pas. Non, je déconne. Sacha a eu peur. Ça vibre. Je suis où?
Gulpa, arrête. Où suis-je? Je suis mort dans le point d'un. Et il t'a tué. Et là, en fait, il était tellement triste qu'on ait tué son père, bah, qu'il se suicide lui aussi. Voilà. De chagrin. Le pauvre. Oh mince, t'es tout seul. Oh, t'es mort pendant la cinématique. Mais je me souviens quand on l'avait fait sur notre fichier principal. C'était l'inverse. Ouais, c'était moi qui étais tout seul. Et voilà, la musique, comme d'hab. Hein. Nintendo ne change pas sa musique. Mettez-vous bien sur la tête, les enfants. Et donc, bah, la malédiction est levée. Et le château redevient... Mince, j'ai pas de rime à faire, quoi. Et le château redevient normal. Et le château s'est lavé. Voilà. Et donc là, on peut voir... Et là, on peut revoir le bateau. C'est pour ça qu'en fait, le bateau... Je viens de comprendre, en fait, pourquoi il est plus là, le bateau, après la fin, parce qu'il redémarre. Donc là, allez, Bowser, dépêche-toi. La petite musique, hein, la petite musique, assez marrant. Allez, dépêche-toi, Bowser, tu peux l'avoir. Allez, 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 Bowser. Ta Bowser, je l'ai. Allez, voilà, c'est bien, Bowser. On vous verra dans un autre jeu. Allez, ciao, Bowser. Ciao. Et donc, il va s'écraser sur la montagne comme dans Super Mario World. Ouais. Non. Ils s'en vont avec le petit truc de Bowser Junior. Et donc, voilà. On se tait un peu. On vous laisse admirer. Et Mario est content. C'est le principal, n'est-ce pas, les amis? Et allez, les crédits de fin, où tout le monde peut tout faire, où on peut s'amuser, ou voilà, quoi. C'est la fête, hein. C'est la fête. Allez, on va essayer de battre notre record. Alors, ouais, c'est sur notre... Donc là, vous avez les autres personnages qui nous ont rejoints. Donc en fait, l'objectif, c'est de ramasser plus de pièces. Et vous pouvez... voilà, vous pouvez la télé, tout ça. Vous pouvez vraiment vous amuser. Enfin, c'est tout le temps comme ça dans les crédits. Oui, voilà. On s'amuse, quoi. Quand tu as battu un boss final, t'as déjà connu. Bon, bah voilà, quoi, c'est. Non, bon, on vous le cache pas maintenant, vous avez compris, il y a un monde secret, hein. Voilà le monde neuf qu'on va vous faire. Ça vous le fait. Il te dit bravo, vous avez vu tous les couches jusqu'au château de la princesse Peach. Non, c'est après. Donc voilà, on est content de, on fait comme si on l'avait terminé, on l'a pas vraiment terminé, il nous reste encore le monde neuf, mais le monde neuf, il va arriver, hein, ça, par contre, c'est promis, on va vous l'envoyer d'ailleurs, parce que ça fait partie de Watté, vu qu'on le fait à 100%. Donc vraiment, on est content, on espère que ce Watté vous aura plu, donc par la suite, il y aura bien sûr le Watté de New Super Luigi U, qu'on fera en découverte avec vous à partir du 26 juillet, on le rappelle, on le prend en version boîte, car c'est une édition limitée, et donc voilà. On a juste avant la fin de cette vidéo, on a un truc à vous montrer. Oui, je sais pas si vous faites voir ou 13 minutes. Je sais, oui. Voilà, on vous montre, on se quittera d'ailleurs au monde 9. Non, c'est pas ça, je crois. Oui, non, mais je sais. Pourquoi je prends tout jaune? Ah oui, c'est pas Donc bon, ce jeu ressemble quand même beaucoup à Bros. Oui, mais... Carotin. On aura envoyé la carotin. Voilà. Bon, c'est des petits détails, vous voyez. C'est toujours marrant. Bon, on grogne un peu parce qu'il ressemble à Bros. Oui, mais ça reste quand même un excellent jeu. Franchement, ça reste un très bon jeu, quoi. Franchement, non. À chaque fois j'ai peur d'un coup de regarder que ça filme pas, en fait. Non, franchement, oui, donc non, un très bon jeu, un très très bon jeu. Bon, ça ressemble à Bros, oui, mais bon, on va quand même on s'est beaucoup marré pendant ce Watté et tout, comme vous avez pu voir. D'ailleurs, désolé à la grande coupure qu'on a eue. On vous promet que ça arrivera plus jamais maintenant avec l'HD PVR, même si bon, c'est pas... En fait, on a trouvé, c'était pas vrai. Bon, la qualité, c'est pas du HD, mais c'est quand même déjà pas mal. Oui, c'est quand même du HD, je vais peut-être réussir à la musique, c'est bah parce qu'on a peur de faire une résonance, attends. Eh, attends, c'est bon, Mario, il tape dans ses mains, regarde. Oui, regarde, il tape dans ses mains, t'as vu T'as vu ou pas? Mario applaudit son jeu, quoi. Non, franchement, non. Mais là, on peut voir les crédits derrière. Franchement, c'est vraiment le début pour les
aussi des idées, sauf si j'aurais mis moto peut-être. Bah, j'ai gagné moto, tout le monde sait que c'est le quatrième Mario, enfin tout le monde sait. Non, pas tout le monde, mais les fans quand même, ils savent. Les fans comme nous, ouais. Enfin bon, voilà quoi. Tu vois, on est à combien? 446, peut-être 500, peut-être 500. Ah, le record est peut-être à la fin. Mais non, mais parce que c'est sur notre fichier à nous, je sais pas, c'est... Il devrait comparer quand même, ça aurait été pas mal pour voir notre ancien record, mais... Ouais, moi je dis à cause de ça, bah le jeu il est nul, voilà. Non, je déconne. C'est les pour... les... Ah bah voilà, c'est la fin. Et ce message nous prouve qu'on n'a pas le droit de faire de ouaté sur YouTube. Voilà. Félicitations, vous avez terminé le jeu, voulez-vous publier cet exploit sur Mimers? Donc, non, parce que... Bon, on peut vite fait publier un petit message sur Miiverse pour vous montrer. Ah oui, mais vous voyez rien, donc comme ça, c'est bien. On vient de finir le Waté. D'ailleurs, j'ai mis, c'est comme ça. Ok. Oui, j'ai mis sur YouTube le lien de notre chaîne Miiverse, parce que vous savez, c'est disponible maintenant. Attendez, juste je vais mettre le lien de notre chaîne en même temps. C'est disponible sur PC, on peut regarder, hein, donc vous pouvez aller voir. Attendez, juste je mets Mario Video 44. Tac, tac, tac. On vient de finir le WT, Mario Video 44. Envoyez, voilà. Donc voilà, vous avez rien vu. Ok. Voilà. Là, je crois qu'il y a une cinématique. Non, là, pas de cinématique. Alors, félicitations, vous avez terminé l'aventure. Une étoile a été ajoutée à votre fichier de sauvegarde. Vous pouvez désormais sauvegarder à tout moment. Donc, ça, c'était. Et là. La maison. Vous pouvez maintenant accéder à une île mystérieuse. Sauter dans le tuyau pour vous rendre là-bas. Et. Empruntez les tuyaux pour rejoindre la route de l'étoile. En fait, avez-vous trouvé toutes les pièces étoiles? Oui, nous on a trouvé toutes les pièces étoiles. Hein. Voilà. Alors, vous avez trouvé toutes les pièces étoiles du château de Peach. Ça doit signifier quelque chose. C'est que du château de Peach? Oui, non, juste que. Ouais, vous voyez, on a tout débloqué. Oui, il s'est retourné parce que je sais pas pourquoi, parce que. Pourtant, oui, vous avez terminé tous les stages jusqu'au château de Peach. Une deuxième étoile a été ajoutée à votre fichier de sauvegarde. Vous avez trouvé toutes les pièces étoiles jusqu'au château de Peach. Une troisième étoile a été ajoutée à votre fichier de sauvegarde. Et voilà. Votre aventure est terminée. Voulez-vous sauvegarder? Ok. Et donc voilà, Loris, mais lui. C'est trop facile. Oui, tiens, c'est lui que tu parlais. C'est trop facile. Et j'ai 99 vies. Voilà, alors, on va vite fait aller vous montrer qu'est-ce qu'on a débloqué. Ok. Non, attendez, d'abord, vite fait, on va vous montrer. Ou quoi que non, on vous montrera dans la prochaine vidéo. Là, le fichier, bon, la 3 étoiles quoi sur le fichier. Non, on montrera quand même à la fin. Tout à la fin. Alors, attends. Les mystères. C'est parti. On montrera les 3 étoiles. Oui. Donc là, les mystères, en fait, avec Sacha... Avec Sacha, on l'adore, c'est pour la musique, écoutez. La musique est pas mal. Vous voyez, elle est pas mal, la musique. Alors, pièces... On relie chacun d'autres, d'accord. Et alors, c'est des statistiques, hein. Donc, pièces, 16 362 pièces. Pièces étoiles, 297. Goomba éliminé, 84. Objet obtenu, 861. Lune, 3 up obtenu, 4. Distance sur bloc coup de pouce, 87,5. Distance sur mini bloc coup de pouce, 1. Wow. Okay. Drapeau atteint, 138. Stage terminé avec Yoshi, 2. Stage terminé avec bébé Yoshi, 17. One up à l'arrivée, 87. Feu d'artifice, 23. Ovation, 320. Victoire contre Carotin, 8. Alors, ça peut encore augmenter, hein. Ça peut encore augmenter. Oui, c'est pas... Voilà, et là on peut voir tous les objets. Hein. Oui, oui, mais j'ai pas... Bon, vous avez vu, hein. Et donc, là, on va aller voir le fichier de sauvegarde. Non, bah, on va vite faire montrer. Ah oui, d'ailleurs, juste à savoir, toutes les maisons, toutes sont venues. Oui.
croûte de l'étoile. C'est pas une grosse présentation. Hein. Donc voilà, c'est... Donc voilà, c'est... Bon. De papa. De musique. Je vous... On vous laisse 2 secondes écouter la musique. Donc voilà, une bonne musique, voilà, je cherche le nom. Donc vite fait, je refais une sauvegarde. Voilà, donc maintenant on peut sauvegarder quand on veut. Sauvegarde effectuée. Et on va aller voir, on va retourner au menu principal pour vous montrer. Donc voilà, on a 3 étoiles. Et donc on a 3 étoiles. On a les 8 drapeaux de chaque monde. Le monde 9 n'en fait pas partie. On a... donc voilà, vous pouvez voir sur notre fichier à nous que quand vous avez 99 vies, ça brille. Et donc voilà. Et quand tout dans le jeu, il y a 94 niveaux. Voilà, et donc sur ce, on vous dit à la prochaine. Si vous avez aimé les vidéos, n'oubliez pas de mettre... Je reviens à l'écran vite. N'oubliez pas de mettre un pouce vert et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau, à vous abonner à la chaîne. Merci à toutes et à tous, c'était Mario Vidéo 44 pour ce jeu. La vie plus belle, allez, à la prochaine.